Bonjour, je m'appelle Louis Fauriel, je suis élève en BTS VO1 au lycée viticole d'Orange. Or, nous, on est venu présenter les engrais verts en contexte méditerranéen. On a implanté des engrais verts sur notre lycée, une parcelle viticole en Syrah. L'objectif, c'était de voir les bénéfices que cela pouvait apporter à la vigne, principalement sur les questions de retenue d'eau et d'amélioration de la vigueur. Sur l'exploitation, on a pu réaliser un semis. En tant qu'élève, on a aussi réalisé la mesure du poids des boîtes de taille. À partir de ces boîtes de taille, on a pu voir l'amélioration qu'a pu engendrer les vignes, si ce poids était supérieur ou moins par rapport aux années précédentes. Moi, je vais retenir l'efficacité d'un des mélanges qui a montré qu'il était plus résistant à la sécheresse cette année par rapport aux autres semis qu'on a pu réaliser sur la parcelle. C'est un mélange qui va lui se composer principalement d'avoine, de vesce, trèfle, un peu de radis. Je pense qu'à l'avenir, ça va être une norme aujourd'hui dans l'agriculture en général, les engrais verts. C'est quelque chose qui va se développer fortement. On est dans un tournant du monde agricole qui va se faire. On va de moins en moins traiter ou emporter des engrais chimiques. Et... Donc, voilà.